Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante DMC. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de notre guide platine sur Dark Souls 2 Scholar of the Firsteed. Et ça fait plaisir. Là normalement on devrait se terminer tout ça pendant cette vidéo, ça fait... ça va faire du bien, franchement ça va faire du bien. Donc on a terminé le New Game Plus la dernière fois. Et donc cette fois-ci on va passer en New Game Plus 2. Bon écoutez, alors je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des trucs à voir? Normalement non. Veillez quand même à avoir au moins 8 à 7 de feu. Hein, normalement, je vous ai assez prévenu par rapport à ça, donc ça devrait aller. Vous devriez avoir ce qu'il faut. Sinon, bah écoutez, il faut aller les chercher. vu qu'on a plus aucun PNJ, ça peut être un peu compliqué. Donc bon, voilà. Ouais, bon, bah ok. Écoutez, c'est parti. Hein. On y va. On y go. Donc, commencez votre périple 3. Je réfléchis. Ouais, si c'est pas. Donc on est bien, on recommence. Oula putain, j'ai... on a failli faire une mort à la con dès le début. Ah putain, ça aurait été beau ça. Imaginez si j'étais tombé dans le trou là déjà là. Franchement, ça aurait été beau ou pas? Putain, ça aurait été magnifique quoi. Ah, je rêve bordel. Allez. Donc ça c'est bien. Bien sûr qu'on connaît notre nom, elle se fout toujours de notre gueule, hein, tu sais. Ça fait déjà la troisième fois qu'on fait le truc, mais... On va pas là, par contre. Il y a le chat qui m'emmerde, là. Hop là. Donc j'active le feu, hein, par principe. Donc là, il n'y a rien qui change hein, par rapport au New Game Plus de base, c'est simplement que c'est un peu plus compliqué. Hein. Les ennemis font plus mal, tout ça, quoi. On avance tranquillement. Je vais regarder. Ah, j'ai pas assez pour mettre un niveau quoi. Il manque genre 2000 quoi. Après comme je dis c'est pas grave, hein, les niveaux on s'en fout un peu. Hein. Là je vous conseille si vous mettez des niveaux, foutez-les vraiment dans la santé hein, pour que vous puissiez faire la charogne tranquillement. Parce que là on va faire un seul boss, ce sera la charogne. Hein, juste pour Arnaud Zama. Allez, on va activer notre feu. Ah par contre, j'ai une de ces dalles là, les gens, là, vous vous rendez pas compte. Hein. Parce que là, il est genre 19h16. Et j'ai rien bouffé de la journée, en fait. Parce que je suis en train de vous faire les vidéos, tout ça, hein, parce que je suis un gars sympa. J'ai mangé un chausson aux pommes ce matin, genre à 9h, c'est tout. C'est tout. Voilà, on nous dit qu'on peut passer, on peut monter les niveaux, machin, machin, ah, ceci, cela, c'est bien. Oula, pardon. Donc, comme pour ce qu'on a fait dans le New Game Plus, vous vérifiez combien vous avez d'âme, enfin votre niveau d'âme, hein, donc je le rappelle, hein, c'est toujours, hop, juste ici. Donc là, on voit qu'on est à 12 millions à peu près, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on est à peu près à 12 millions, donc je vous conseille d'arrondir au-dessus quand même. Hein. On est à 1 million 9, mais bon. On va dire que là je suis à 12 millions, donc cette fois-ci c'est 3 millions d'âmes qu'il va falloir acquérir. Donc pour moi par exemple, il faudra que j'arrive à 15 millions. Donc avant de se prendre la tête avec ça, on va déjà aller chercher la petite vieille. Là on fait un peu ce qu'on avait fait déjà au New Game Plus hein, de base. Hein. Là c'est un petit peu de la Reddit hein, forcément, mais bon faut le faire. Hein. Bon. Donc vous notez, hein, 15 millions. Hein. Je dis vous noter, mais... De toute façon, je vais revérifier après. Hein. Pas de soucis. Là, c'est quand même la vidéo du bonheur. Là. Parce que là, normalement, à la fin de cette vidéo, on a tous notre platine. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On avance. Tranquillement. Tiens, je vais mettre ici, ça on s'en fout. On n'a pas forcément besoin, mais pourquoi pas. Parce que là, en fait, je rappelle, hein, là, on aura vraiment...
juste à aller voir le marchand au château de Drangleic. Donc faut juste qu'on arrive à ouvrir la porte en fait. Une fois que la porte est ouverte, c'est quasiment fait. Donc on avance tranquille. Ouais, je spamme mes touches. Vous les entendez peut-être. Et j'ai une sale habitude, c'est que des fois ça sert à rien, j'appuie sur les touches, quoi. Ça doit être un toc, je sais pas. Le mec est bizarre. Ah ouais, c'est la dernière vidéo, on fait des révélations qui servent à rien, quoi. Ok. Bon, on va essayer de pas faire comme pas comme l'autre coup. Donc on s'écarte. En fait, on essaie de les attirer un petit peu hein, par là-bas. Hein. Pour qu'on puisse monter à l'échelle sans qu'ils nous tapent dessus, en fait. Comprenez la démarche. Là, il y a tout le monde qui réplique. C'est le festival de la bonne humeur. Ouh là. Je sentais pas trop l'histoire. Hein. Donc faites attention parce qu'il me semble qu'il monte à l'échelle hein, ces cons-là. Hein. Vous voyez, il monte là. Donc il y a lui qui arrive là. Je mets au feu. Je lui pète sa gueule. Je m'assois. Tout le monde ferme sa gueule. On est quand même tous bien d'accord. Donc, la miss, on lui achète sa branche ancienne. Comme ça c'est fait. Je lui ai acheté un petit peu tout. Alors, ça sert à rien, mais c'est juste pour enlever mes âmes, en fait, pour pas être perturbé. J'allais dire, le mec, il lui en faut peu pour être perturbé, quoi. Hein. On dégueule tellement de pognon les gars que on sait même plus quoi en foutre quoi. Bref. Donc ça c'est fait. Donc on peut se barrer. Tranquillement. Là, vous pouvez ouvrir la porte. Comme ça, je vais vraiment dépenser toutes les âmes. Hein. Je vais lui acheter des flèches là. En fait, c'est pour moi, pour vraiment voir le compteur en fait. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok, donc je lui achète. Putain, j'ai tellement de pognon que je peux. C'est sérieux ou quoi? Ah putain. Le mec, du coup, achète tout et n'importe quoi. Ah, voilà. Ok, on est bien. Acheter 50 000 épées. Alors, ici, tout de suite, ce que je vous conseille de faire. Parce que de toute façon, on n'a plus de boss, on n'a plus rien à faire là. Donc vous vérifiez toujours, hein. Donc moi on a dit qu'il fallait que j'arrive à 15 millions. On est d'accord. Ouais c'est ça, donc il faut que j'arrive à 15 millions moi. Donc d'ici ce que je vous conseille de faire tout de suite, tant que vous êtes là, c'est du coup, c'est de consommer toutes les âmes que vous avez en réserve. Vous consommez tout. Vous allez voir que déjà, ça va nous permettre pardon, de bien grapper. Hein. Ouais. Alors je vais vérifier un truc mais il me semble pas. Hein. Ça donne combien ça? 3000. Je vais vérifier un truc mais il me semble pas. Hein. C'est comme ça hein, pour être sûr de ce qu'on fait. 3000, ok. Bon, attends, je remets mon truc. Okay. Donc du coup vous consommez toutes les âmes hein, comme je vous dis hein, donc ça va prendre un petit peu de temps mais vous allez voir que ça va permettre de bien avancer. C'est pour ça qu'à un moment donné je vous ai dit gardez-les en réserve, ne les utilisez pas. Gardez-les pour le New Game Plus 2. Vous allez voir que ça va être bonheur quoi. Alors pourquoi je vous conseille de les consommer tout de suite maintenant? Parce que comme ça déjà bah, ça vous évitera de faire le boss en boucle plus de fois que nécessaire. Et en plus comme ça vous allez pouvoir les utiliser là pour monter un peu de niveau, vous rajouter de la santé quoi. La santé ou de l'endurance ou ce que vous voulez après tout. Hein.
Je pense qu'on devrait pouvoir faire le million, à mon avis. Je pense qu'il y a moyen. Oh, je vais trop vite. Ouais, déjà, celle-là, 50 000, quoi. Sachant que c'est pareil, quand vous allez battre la charogne à plusieurs reprises, vous pourrez consommer ses âmes à chaque fois entre deux. Hein. Je pense que consommer les âmes, ça vous donnera genre, je sais pas, peut-être 50 000, un truc comme ça. On va vérifier de toute façon. On va vérifier, voir comment ça donnerait. Donc la charogne, je vais en utiliser qu'une seule pour voir ce qu'elle donne. Elle donne 25 000, pardon, plus celle-ci. Donc c'est sa deuxième âme en fait. 60 000. Donc vous voyez, la charogne en la battant, vous avez 85 000 âmes que vous pouvez consommer direct après. Donc ça fait quand même pas mal quoi. Donc boum, 225 000, ça c'est bonheur. Ouais, le million il s'approche là. On va peut-être faire la moitié hein, de ce qu'on a besoin. Hein. Eh. Merde. Merde. Le mec s'embrouille tout seul. Donc là, c'est la partie un peu longue. Hein. Mais bon, c'est sympa de voir un petit peu. Toutes ces âmes qui pop là. Et ouais, malgré tout. Oh putain, 300 000 quoi. Malgré tout ce qu'on consomme là, je pense qu'on pourra pas mettre énormément de niveaux. Même 5 niveaux, je sais pas si on pourra les mettre. Ouais, 5 psy peut-être. Mais 10 à mon avis, ça passera pas quoi. Allez, là, putain, là, c'est du. Là, on va faire du. 480 000, je crois. Attention. Bim, 480 000, les gars. T'as vu, on est quasiment à 2 millions, quoi. Vous voyez un peu? Pourquoi je vous ai dit de garder vos âmes pour la fin? Ça raccourcit quand même vachement le truc, hein. Sachant que déjà, la charogne, elle doit être genre niveau max par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau des âmes avec elle. Donc du coup, voilà quoi. Voilà. Écoutez, 1 million 8. Voilà, donc c'est bien. Donc du coup, il ne reste plus que 1 million 2 quoi à faire. On est bien. Hein. Donc là, comme ça, vous pouvez directement dépenser tout ça. Moi, je vais le mettre dans la santé. Hein. Comme ça, on est mieux. Là, on a mis 6 niveaux. Ouais. Voilà, donc ça, c'est fait. On est très bien. Vous voyez que là, vous voyez, hein, 1 million 2, il manque un. Hein. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rééquiper hein, avec les anneaux, les machins, tout ça. Hein. Donc on va remettre l'anneau du chat. Ici. Là, je vais foutre les bottes félines. Alors, vous pouvez aussi enlever tout votre équipement. Hein. Comme ça, vous êtes encore plus léger. Moi, je vais pas le faire, honnêtement. Normalement, là, ça suffit largement. Donc on va essayer de pas se fail. Comme on dit. Voilà. Hop. Remettez-vous un petit peu de soin. Donc là, on court toujours. Voilà. Ici, on se laisse tomber, mais on fait très attention. Ça peut faire bobo. Voilà. Là, pareil, on court. On n'est pas passé loin là. On n'est pas passé loin du tout.
Et là, on se laisse tomber. Alors moi, je les garde ici hein, pour la zone d'après, hein, parce qu'on va se laisser tomber aussi, pareil. Donc je préfère les garder. Donc là, du coup, ici, si je dis pas de bêtises, il faut aller par la droite. De toute façon, vous voyez, hein, y a les petits bonhommes, là. Donc... Je vous conseille de courir parce qu'il y a les invasions, je vous rappelle. Alors les invasions qu'il y a là permettent d'avoir un nouvel équipement, il me semble. Donc ça peut être intéressant, enfin pour ceux que ça intéresse. Petite roulade. Je vous le dis. Je sais plus, ou un nouvel anneau ou un truc dans le genre. Alors là, normalement, on peut se laisser tomber, si je dis pas de bêtises. Mais je préfère assurer le coup. On ne sait jamais. Ok, on avance. Calme-toi là-haut. L'autre direct qui me balance son truc en pleine gueule. Voilà. Donc là, on peut se poser au feu. Tranquille. Je vais allumer une torche pour qu'on puisse y voir quelque chose. Alors attention, il y a un trou là. J'ai hâte d'arriver au boss pour voir combien il rapporte parce que je me rappelle plus du tout. Ah, vous avez vu, ils sont costauds là, j'ai pas réussi à les one shot. Hein. Vous voyez? Donc faites attention à pas tomber sur le côté droit. Hein. Donc, la petite roulade qui va bien. Merde, j'ai oublié d'en faire une deuxième. J'aime de vie. J'aime de vie. Je vais me prendre une troisième, tiens. Donc là, ici, toujours, hein, vous longez le côté gauche. Parce qu'il y a des trous un peu partout. Donc là, on court. Voilà. C'est très bien. Putain, je vais toujours avoir par celle-là. Là, vous vous laissez tomber. Vous passez ici. Là, on se laisse tomber. Hop, juste ici. On peut se laisser tomber ici. Et on peut se laisser tomber ici. Et là, on passe. Tranquillement. On récupère la branche ancienne embaumante. Et on est bien. On est très très bien. Je sais même pas si je vais faire des coupures. Ça dépend en fait combien, combien rapporte le boss. On verra de toute façon, moi. Donc là, on peut activer ça. Donc là, on essaye d'aller, hop là, d'aller assez rapidement. Par là-bas. C'était quoi cette perfection là? C'était quoi cette perfection là, du passage là? Sans déconner là, on était parfait ou pas? C'est bien sûr qu'on était parfait quoi. C'était la folie les gars. Putain, et là je me fais tuer par lui, tu sais. Donc là je pense qu'on pourra pas l'activer, hein, y a l'invasion. Bah, généralement il se fait tuer tout seul quand même le mec de l'invasion. Hein. Ah bah là il est passé, tiens, pour une fois. Alors vous pouvez tourner autour du feu ici, hein. Ça l'emmerde quand même pas mal. Vous voyez? Il est un peu comme un con. Hein. Voilà. On est bien. Donc il nous faut 1 million 2. Alors rappelez-vous que quand on le tue, les âmes qu'il nous rapporte, ça nous donne 85 000 âmes. Donc ce sera rajouté au compteur des âmes qu'on va gagner. Donc n'oubliez pas, surtout, hein, n'oubliez surtout pas, vous mettez l'anneau 2. Ici, vous mettez tout l'équipement de Tseldora. N'oubliez pas, hein, parce que sinon, ça va vous prendre plus de temps. Hein, je vous le dis. Hop. Donc, juste ici. Et juste ici. Donc, vous équipez bien tout ça. Là, moi, ici, je vais faire comme l'autre coup. Là, je vais mettre la petite hache. Putain. C'est toutes les haches que j'ai achetées tout à l'heure. Oh putain de merde.
Donc, du coup, attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, ici, du coup, je vais mettre les lames. Voilà. Et même là, ici, je vais mettre le truc. Parce que normalement, l'âme ne devrait pas se casser. Hein, vu que j'utilise les deux. Je vais mettre ça. Donc là, je change mes sorts. Ici. Placer sort. Donc là, juste ici, je vais mettre. Voilà, ma petite épée pour buff. Et on est pas mal. Donc là, j'enlève ça. Je mets ça pour si jamais je m'empoisonne. On va se le faire. Donc on va regarder hein, du coup combien rapporte notre ami. En essayant de pas se faire tuer bien sûr, parce que bon, c'est bien beau de dire ça, mais... Donc maintenant, normalement, vous le gérez à peu près. Hein. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'en un coup, il peut vous faire extrêmement mal. Alors ça, surtout, faut pas se faire choper, comme d'hab. Bon, faudrait peut-être que je commence à... Wouah, les dégâts, quoi! Ah oui, bah c'est parce que j'ai mis la griffe, c'est pour ça. C'est vrai. Du coup, quand elle est buffée cette arme là, putain, je fais tellement de dégâts. Oh, vous l'avez vu celui-là ou quoi? Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'arrête pas de regarder à côté là, de détourner les yeux de la télé en fait. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il se place là où ça nous intéresse parce que éviter d'aller dans le feu quand même. Hein. Ah, ça fait tellement de dégâts quoi. Gérer votre endurance hein, toujours. Hein. Alors des fois je recule quand il fait ça, alors faut juste aller sur le côté, vous pouvez le taper. Ça vous permet de lui mettre deux coups. Hey! On se gausse un peu du boss hein, à un moment donné, hein, tellement le maîtrise. Il faut faire attention parce que à trop faire le malin, hein, on sait ce qui se passe. Voilà, genre là. Je regardais plus l'écran. Parce que j'ai eu un petit sourire en coin en fait en vous disant ça. Et du coup j'ai pris un méchant coup sur la gueule. Parce que vous voyez qu'il fait quand même extrêmement mal. Hein. J'alterne avec les deux en fait. C'est-à-dire que quand l'autre est buffé, j'utilise l'autre. Et quand elle est plus buffée, j'utilise celle-là parce que bon. Oh putain! À ce coup-là, je l'aime pas celui-là. Celui-là, il peut faire extrêmement mal. Il peut one-shot, hein, je crois. Quand on arrive à un certain niveau. Donc, ouais, je disais, et puis après, je pense à la 2-1 parce que j'utilise pas trop le bouclier en fait, là, contre lui. J'ai remarqué ça. Alors surtout évitez d'attaquer après cet enchaînement parce que généralement vous n'avez plus d'endurance, ce qui fait que s'il réattaque juste derrière votre attaque à vous, vous ne pourrez plus esquiver. Ouais je sais, je vous ai peut-être déjà dit un peu tout ça mais... Quand je fais un truc du coup, je peux pas m'empêcher quoi. Par contre j'aime pas trop où il m'a amené là. Il va falloir le faire bouger un petit peu. Je sais pas pourquoi des fois ça marque 238. En fait, ça veut dire que ça fait un premier dégât, puis un deuxième dégât de 238, mais ça marque que le deuxième dégât en fait. Parce que vous voyez qu'au niveau de la barre en bas, ça descend pareil. Oh, j'ai cru qu'il m'avait écrasé quoi. Ma roulade elle est passée un petit peu à l'arrache quand même. Moi j'ai hâte de voir combien d'âmes il va donner là. 300 000 je pense, un truc dans le genre. Hein. Allez, j'ai le temps. Ouais, on peut regarder. Deux cent trente-trois mille. Donc ça fait 300 000 en tout, hein, à peu près. Hein. Donc du coup, il faut le faire 4 fois, quoi. 4 fois, ça passe, normalement. Donc, ah ouais, j'ai oublié de mettre la plume.
Donc je refous la plume. Et j'y retourne. Ok. Donc je pense que je vais vous mettre un petit béni, là, une connerie. Accélérer le truc ou vous mettre que la fin des. Que les morts du truc, ou je sais pas. Je vais peut-être pas tout vous laisser non plus. Ça peut être chiant pour vous. Hein. Je vais regarder à combien j'en suis. J'en suis à. Ouais, il doit plus rester grand chose là. Ce qui nous fait. Ah, il manque pas grand chose. On va se le faire encore une fois. Et on sera bien. Si j'oublie de rentrer dans le brouillard, on est mal barré quoi. La roulette qui est passée juste là quand même. Hein. Vous voyez là, il est capé là. Là, on fait toujours les mêmes dégâts. C'est qu'il a son niveau max là. Ça c'était une connerie, vous voyez? Parce que du coup j'ai plus d'endurance. Alors, faut que je fasse gaffe hein, parce que là je suis un peu dans le feu là. Essayer de l'attirer un peu plus par là. J'ai deux Seda là, les gars, quand je termine la vidéo, putain. Je vais me péter la gueule au kebab, moi, hein, direct. Hein.
2, c'est quand même risqué. Ouais. Quand il fait ça là. Après parce que je la tiens à deux mains aussi, hein. Donc c'est beaucoup plus long. Oh, une touche de là quoi. Genre, putain, la longe de fou. Dis donc. Wow, le feu il m'a fait tellement de dégâts. Putain, je vais mourir à cause du feu, quoi, tu sais. Ah, putain. Allez, on y est et on est bon. Et là, on est content. Ok, c'est bon. Donc normalement, on a tout ce qu'il nous faut, hein. Donc on vérifie. Voilà, on a nos 15 millions. Alors les âmes qu'on vient d'avoir sur le boss, ne les consommez pas, on va les garder. Bah, de toute façon, même je dis des conneries, hein. Donc on s'en fout quoi. Donc du coup. Au retour d'Abajoula. Maintenant qu'on a de quoi ouvrir la porte, hein. Voilà. Bon, je vais enlever ça, je vais remettre un petit peu l'équipement stylé, hein, même si là honnêtement on pourrait y aller à poil, ce serait la même. Hein. Parce que là je vous dis ça y est, là on va chercher le platine les gars. Préparez-vous quoi. Là on est tous très 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 contents. Donc. Il s'est reposé le mec là? Ouais. Ok. Donc du coup, on va aller voir notre ami là, la pyromancienne là qui est pétrifiée, hein, encore et toujours. Donc du coup, moi personnellement, j'ai utilisé 3 assets de feu. Hein. Je vous le dis, j'en ai utilisé que 3. Parce que aussi avant j'ai pu consommer un maximum d'âmes, hein, comme vous avez vu, on a fait 1,8 million à peu près. Pardon, c'est quand même assez, assez énorme. Pour ça, hein, que je vous avais dit, hein, vraiment, garder un petit peu tout ça, les âmes. Donc là, on va remettre, hop, ici, des crânes élégants. Donc elle. On la dépétrifie. C'est très très bien. On ouvre ça. Vous balancez un crâne élégant hein, par là-bas. Hein. Foutez un peu. Hein. Moi je les tape pour le fun. Hein. Ok, bon, je me casse. Ça c'est fait. Là, vous avez toujours votre feu ici. D'accord. Ok. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, ça dégage. Donc on avance, hein, on fait le chemin. Hein. On va retourner hein, au château de Dranglake. On connaît hein, maintenant. Hein. Hop. Donc on s'en fout un petit peu des ennemis. Haha, cette fois-ci tu as pas foutu la calaisse dans la gueule, hein. Petit salaud, va.
Il croit que je m'en rappelais plus là. Donc j'active le feu hein, quand même hein, par mesure de sécurité, on ne sait jamais. Hein. Hop hop hop. Donc là ça se passe par là-bas. On trace. J'essaie de pas me faire buter par ces cons là. Parce que là en termes de niveau de difficulté, là maintenant ils doivent être au niveau max. Hein. Pour moi en tout cas, hein, pour vous ça va hein, normalement. Hein. Hop. Ouais, l'utilité un petit peu du crâne élégant. C'est cool hein. C'est un peu sous-estimé hein, ces crânes élégants. Et là tu sais, la porte s'ouvre pas, t'es au bout de ta vie. Wouah, il est sérieux celui-ci. Ouais que j'ai bien fait d'activer le feu, hein. Il est sérieux celui-ci, il m'a déglingué, quoi. Putain de merde, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, l'essentiel c'est d'ouvrir la porte. Voilà. Ça c'est fait. L'essentiel. L'essentiel, quoi, tu sais. Voilà, là on est content. Bon, là après c'est bonheur. Hein. C'est bonheur, j'ai dit. On est tellement sur la fin avec le mec. Allez. Puis il faut que je fasse vite parce que moi sur mon enregistrement il reste un petit quart d'heure. Ah, parce que je rappelle, vu que je suis avec la PS4, en fait je suis limite à 1 heure hein, sur la capture. Bon, on devrait avoir le temps normalement. Ok, vous leur pétez la gueule. Il y a un mec qui arrive derrière, on fait attention. Putain, je me demande d'ailleurs si en balançant un crâne élégant sur les trucs là-bas, on peut pas attirer tout le monde en fait. Ce serait cool ça. Allez, on se casse. Putain, j'arrive pas à loquer l'autre là. Ah merde, j'ai enlevé le... Allez, viens ici. J'avais mis mon arme à deux mains là, il est sérieux ou quoi lui? Voilà. Ça va me faire chier, non mais... Non mais où? Il y a toujours l'autre con qui va nous faire chier là. Il vient. Ok. Oh, je suis tellement à ouf. Mon gars. Il y a de sa misère. Ah, mais j'ai pas mis mon épée à deux mains encore là. Ça fait 2 fois, hein. Allez, tu dégages. Mon arbalète. Hop là. Ouais, t'y es. Oula. Donc lui, on l'attire par là.
Viens ici, mon petit coco. S'ouvre la porte ou quoi? Voilà. Donc là, quand vous arrivez là, vous faites attention qu'il n'y ait personne derrière. Normalement, vous avez plein d'âmes, donc consommez les âmes du boss hein, que vous avez fait avant, si jamais vous n'en avez plus. Donc là, vous lui parlez. Et normalement, là, on devrait avoir le platine. Là, c'est le petit passage où tu es un peu fébrile en te disant, putain, j'espère que j'ai rien loupé avant. Sinon, c'est la merde, parce que là, pour aller récupérer ce qui manque... En New Game Plus 2, vas-y quoi. Ça se fait, hein, mais c'est chiant. Donc, acheter. Vous voyez qu'il a des nouveaux équipements, du coup. Hein. Et là, surtout, vous voyez que là, du coup, maintenant, il vend trois autres sorts. Donc, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, on va commencer par acheter la pyromancie. Attention. Petit trophée, maîtrise de la pyromancie. Puis, les deux miracles. Attention. Trophée maîtrise des miracles. J'ai eu peur, il a mis du temps à venir. Hein. Donc là, il y a le platine qui va arriver normalement. Et le petit trophée platine. Et voilà, et ça fait plaisir, les gens. Et là, on est content. Tu vois? Alors, par contre, j'avoue, le mec qui est arrivé là et qui a pas son platine qui pop. Alors là, franchement, je compatis. Parce que là, mec, t'es au bout de ta vie, quoi. Mais normalement, si vous avez suivi le guide correctement. Normalement, il n'y a aucun problème. Vous devriez avoir votre platine ici. Donc, je vais retourner à Majula. Hein, maintenant, on a tout fait. On a notre platine là. Franchement, là, putain. Là, les gars. Là, on est heureux, quoi. Là, on est super content, quoi. Allez. On ouvre ça. Et on ouvre ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, en fait, on est obligé d'aller en New Game Plus. Donc, le New Game Plus de base. Nous, personnellement, par rapport à la manière dont on a fait le guide, il nous servait strictement à rien. Il fallait juste le finir pour arriver en New Game Plus 2. Et une fois arrivé au New Game Plus 2, pardon, vous voyez, il suffit juste d'aller voir ce marchand-là. Et là, comme ça, il nous vend trois nouveaux sorts qui nous permettent d'avoir nos derniers trophées. Donc, la maîtrise de la pyromancie et la maîtrise des miracles. Je vous avoue que, sur les miracles, le trophée, il a mis tellement de temps à arriver. J'étais là, je fais non. Dans ma tête, je fais non. Me dis pas ça, quoi. C'est pas possible. Je sais que j'ai tout fait, quoi. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Bah écoutez, du coup, c'est... Putain, franchement, c'est bien, ça fait plaisir. On est enfin arrivé à aller décrocher ce putain de platine sur Dark Souls 2 dans sa version Scholar. Donc franchement, ça fait super plaisir. Ça fait 49 vidéos, quand même, hein, mine de rien. Donc 49 vidéos, ce qui représente sans doute à peu près 47 heures en ma compagnie. Je vous remercie de m'avoir supporté tout ce temps-là. Franchement, ça fait plaisir. C'était plutôt sympa hein, de passer tout ce temps-là avec vous, d'essayer de vous guider un maximum sur Dark Souls 2. Alors, vous voyez, hein, comme je vous disais au début, hein, je faisais le truc vraiment aussi bien pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, mais aussi pour les débutants qui vont vraiment découvrir un petit peu ce genre de jeu. Je vous avais dit aussi que j'irai peut-être pas forcément absolument tout chercher, mais que je vous montrerai le maximum de choses. Donc, finalement, je vous ai montré. Pratiquement l'intégralité, il n'y a que deux petites zones optionnelles que je ne vous ai pas montrées parce que je vous dis, c'est des toutes petites zones qui servent à rien. Puis il n'y a rien au bout, il n'y a aucun objet à ramasser. Enfin, les objets, c'est genre des torches, des gemmes de vie, enfin, on s'en fout quoi. Sinon, je vous ai montré l'intégralité. Puis écoutez, ma foi, c'est plutôt sympathique, franchement, on est bien, on est content. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Alors là, il y a Dark Souls 1, le remaster là, qui est sorti normalement au moment où vous regardez cette vidéo, je pense. Je sais pas, parce que il y en a sûrement qui vont me demander est-ce que tu vas faire un guide machin sur le remaster de Dark Souls qui est sorti sur PS4, Xbox One, machin, tout ça. Si j'en fais un, ce sera pas tout de suite. Parce qu'honnêtement, Dark Souls 1, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Vraiment très 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 longtemps parce que je le trouvais un petit peu trop vieillissant en fait hein, maintenant enfin, bon bref voilà là par contre bon là
Sur PS4, il est pris, hein, je veux dire, voilà quoi. Mais bon, je vais jouer quand même pas mal de temps, tout ça, donc n'attendez pas après tout de suite. Si je fais un guide dessus, ce sera dans longtemps. Peut-être même pas cette année, quoi, pour vous dire. Donc j'aime bien prendre mon temps. D'ailleurs, vous voyez que ce guide-là arrive maintenant, alors que bon, le jeu est sorti depuis quelques temps quand même. Maintenant. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, franchement, ça m'a fait plaisir de vous faire ce guide. C'est une petite première pour moi de présenter ce genre de vidéo sur YouTube, surtout avec une telle longévité, hein, parce que c'est vrai que du coup ça s'étend sur pas mal de semaines. J'espère que tout ça vous aura plu du coup, j'espère surtout que ça vous aura aidé, et j'espère... Pardon, je suis en train de tousser là. Et j'espère surtout que... Bah que là, maintenant, vous avez votre platine, c'est quand même le plus important. Franchement, s'il vous manque un truc, c'est que vous n'avez pas forcément très bien écouté ce que je vous ai dit, vous n'avez pas forcément tout suivi. Ça peut arriver, on peut louper des choses. Mais bon, il y avait quand même une vidéo qui faisait le point, hein, juste avant de partir en New Game Plus. Mais en tout cas, si là il vous manque un truc et que le platine sort pas, franchement, je compatis. Et franchement, ça me fait de la peine pour vous, parce que après tout ce mal qu'on se serait donné, c'est un peu chiant. Mais normalement, si vous avez bien tout fait comme il fallait, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, bah voilà, bah, moi j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aurait pas été trop compliqué pour vous de pouvoir justement avancer dans le jeu en suivant un petit peu mes instructions. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du coup maintenant que le guide est fini, globalement de la qualité du contenu, tout ça. Hein. Dites-moi un petit peu, après moi je suis à l'écoute. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez toujours mettre des commentaires. Je lis toujours les commentaires. S'il y a des questions, je réponds, bien évidemment. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous dis félicitations. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. Et puis sur ce, bah moi, je vous dis à une prochaine. Pour une prochaine vidéo, sur quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va refaire un test, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir. Allez, salut tout le monde!